bah aujourd'hui c'est le grand jour, on passe le canal du Panama. Alors on est à Shelter Bay au mouillage en attendant le pilote qui va venir à bord. Le mode d'emploi pour passer le canal sur un bateau sans utiliser un agent. Donc la première étape pour passer le canal, c'est l'inspection du bateau et la mesure. Parce qu'en fait si on fait moins de 50 pieds, on paye une certaine somme et plus, on paye plus. En premier lieu, on télécharge le formulaire numéro. Ensuite, on l'envoie par mail à cette adresse mail. On les appelle par la suite pour savoir s'ils ont bien reçu le formulaire. On fait une demande pour un rendez-vous. Très important, le jour J de la mesure, on les rappelle à 7h30 du matin pour être sûr qu'ils passent. Et sinon, ils passeront pas. Donc le numéro, c'est celui-là. La mesure du bateau se fait soit au port du Shelter Bay, soit au mouillage The Flat. Donc on est entre les cargos, les épaves et le port de Shelter Bay. On passe, un mec qui parle anglais passe à bord, nous pose quelques questions, tout ce qui est de plus basique, et ils veulent savoir si on a une cuve au noir. On répond par oui, même si on ne l'a pas, ça évite de payer une location de chiottes. Donc c'est important de dire que son bateau peut aller à plus de 5 nœuds et nous on a annoncé une vitesse de croisière de 6 nœuds et maximum 7 nœuds, ça leur convient très bien. Deuxième étape, paiement et prise de rendez-vous pour le passage du canal. Une fois que la mesure est faite, ils nous donnent un tas de papiers et on doit aller à la Citibank à Colomb pour payer la somme due. Donc on peut prendre la navette à Shelter Bay Marina qui t'emmène directement à la Citibank. Tu retires de l'argent puisqu'il faut payer en cash. Donc il y a un distributeur juste à côté de la Citibank. Tu payes et ensuite à partir du soir même, tu as 3 jours pour les appeler à ce numéro-là et demander un rendez-vous pour le transit du canal. Donc c'est sous 3 jours jusqu'à 2 mois. Troisième étape, il faut trouver les amarres, les défenses, c'est-à-dire des pneus ou pour les plus chanceux des gros barbadages, et avoir 5 personnes à bord qui comprend le skipper, les 4 onliners, et il y aura un pilote en plus qui n'est pas compté dans les 5. Donc en tout, on sera 6 sur le bateau. Le pilote servira juste à donner des conseils tout le long du canal, et dire où on doit aller, comment on doit s'organiser. Il faut bien le nourrir et lui donner à boire, et ça le suffit. Pour louer les amarres, on peut contacter soit des agents, soit chercher sur les forums tels que Panama Cruiser, bref. Ou sinon, nous on est passé par ce gars-là. Ça nous a coûté 84$ pour les défenses et les 4 amarres, mais parce qu'on a fait un package avec 2 autres bateaux. Donc les 4 onliners à bord du bateau vont servir à manager les amarres justement. Donc quelqu'un du canal vous envoie une pomme de tooling avec un bout, un petit filin qu'on accroche à notre amarre, il tire l'amarre à quai et nous après le onliner a son taquet et il règle la distance du bateau par rapport au quai. Donc vu qu'on doit être 5 plus le pilote, il faut trouver 4 onliners. Si vous n'êtes pas 5 sur le bateau en permanence, il faut les trouver. Donc ça peut être soit des backpackers que vous trouvez dans les hôtels, les auberges jeunesse. Vous passez une annonce sur internet, vous trouvez des gens, c'est facile. Ou alors vous demandez au bateau voisin ou dans la marina de Shelter Bay. Donc il y a moyen de s'arranger pour les aider par la suite. Sachant que le retour en bus, ça coûte pas très cher, il me semble que c'est quelques dollars. Important de rappeler plusieurs fois le service du canal pour être sûr de la date, qu'ils ne vous ont pas oublié dans l'agenda. Et la veille du passage, les rappeler pour confirmer votre.
est dans les portes côté Pacifique. Et là, il y a un gros bébé qui arrive derrière. Mètres de long, 32 mètres de large. Il a deux pieds de chaque côté avant de toucher les murs. C'est chaud.